All right, so hello everyone, and welcome to Impact of Climate Change on Surface and Groundwater. My name is Julie Cormie. I'm the Executive Director of Vision H2O, and I will be your host for today. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à Impact du changement climatique sur les eaux de surface et souterraines. Je m'appelle Julie Cormier, je suis la directrice à Vision H2O et je serai votre animatrice pour l'atelier d'aujourd'hui. Next slide, please. Donc, avant de passer la parole à notre premier présentateur, donc j'aimerais souligner que je présente aujourd'hui sur le territoire traditionnel non cédé de la communauté Mi'kma'ki. Donc, comme qui est mentionné sur la diapo, donc pour je vous encourage d'identifier le territoire d'où vous venez nous joindre aujourd'hui. Vous pouvez le faire dans le chat. Donc, pour aujourd'hui, donc c'est la Journée mondiale de l'eau. Donc, comme dans plusieurs communautés au Nouveau-Brunswick, notre communauté ici à Kapakadi, on dépend beaucoup sur l'eau souterraine pour s'alimenter en eau. Donc, c'est tout des puits résidentiels privés. Puis, il y a beaucoup des activités qui sont pratiquées, des activités récréatives, touristiques. Il y en a beaucoup qui dépendent sur l'eau, donc la qualité de l'eau est très importante. Puis aussi, étant un groupe de bassins versants, la qualité de l'eau, la protection de l'eau nous tient vraiment à cœur. Donc aujourd'hui, on voulait présenter une série de présentations qui vont toucher à l'eau, l'eau de surface, l'eau souterraine. Donc des impacts comme les changements climatiques vont vraiment venir impacter nos eaux. Puis comment est-ce que ça se pose dans notre région. Mais on veut garder ça positif, donc on veut aussi présenter des outils qui sont disponibles pour ceux et celles qui veulent vraiment s'engager pour protéger l'eau qui sont sur leur terrain. On veut aussi présenter un petit peu des recherches qui sont faites au niveau communautaire. Puis par la suite, on veut présenter qu'est-ce qu'on peut faire comme propriétaire, comme citoyen, au niveau des actions, des bonnes habitudes qu'on peut faire pour protéger l'eau. Si jamais vous avez des questions au fur et à mesure que les présentations avancent, donc vous pouvez les indiquer dans le chat ou vous pouvez attendre à la fin de chaque présentation, il va y avoir une période pour les questions. Donc, assez parlé de mon côté. On va passer la parole à Robert Capozzi, qui vient du secrétariat des changements climatiques de la province. Il va commencer la journée aujourd'hui en parlant des impacts, prévisions des changements climatiques pour la province, puis le travail qu'ils font. Donc, Robert, c'est stage is yours. Merci Julie, bonjour à tous et à tous. Merci de l'invitation des organisateurs. Je suis très heureux d'être ici, de vous partager quelques informations en termes de l'adaptation au changement climatique, des projections de qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre et des mesures d'adaptation qu'on pourrait s'engager et nous protéger un peu plus au niveau de nos domiciles, au niveau de l'eau potable et tout ça. Merci bien à tous et ça me ferait plaisir de vous répondre en français à vos questions. Je vais faire ma présentation en anglais, mais en tout temps, vous pouvez demander des questions dans la langue de votre choix. Je vais montrer mon écran. Good day, everyone. My name is Robert Capozzi. I'm the Director of Climate Change Adaptation with the Climate Change Secretariat of New Brunswick. We're housed in the Department of Environment and Climate Change. Happy to be here to present to you on climate change projections and impacts for New Brunswick. I'd be happy to take any of your questions
when we get to question period. And thank you to the organizers, our very strong partners and environmental NGOs who are doing a great work on the ground, helping citizens and getting the message out there on everything from climate change to environmental protection. So really appreciate the work the NGOs are doing. All right, I'll just start here with a bit of an intro and then we'll get into the heart of the matter. Okay, so. All right, can everyone see that? So in September of 2022, we released our most recent climate change action plan here at government. And this is the plan for 22 to 27. So these plans traditionally are five-year plans. Basically, this one here, as you can see, is our pathway towards decarbonization and climate resilience. Basically, this new plan, like I say, will extend for a period of 5 years, but it builds on strong progress of the past plan for 2016 to 2021. And in that past plan, we really focused on bringing people and municipalities forward in terms of starting to plan for adaptation to climate change impacts. At the municipal level, we were able to assist municipalities, 56 of the 104 former municipalities develop their adaptation plans, and with the goal of building climate resilience in the local communities, in the infrastructure that serves local communities, on the side of natural resources, and various sectors, be they healthcare or transportation or other economic sectors that are important to New Brunswick. So we're coming off of more than 50% of our municipalities having climate change adaptation plans. But as everybody knows, we've gone through a process of government reform, and we have new entities now, new municipalities, new rural districts, and we will be engaging with all of those folks, because I'll show you here some of the targets that government has committed to in the new climate change plan, and we aim to fulfill those goals and those targets, so that by 2030, within 5 years or so, we'll have all of our new communities, municipalities or rural districts with an active and current climate change adaptation plan. All right, so if we look at the new climate change plan for New Brunswick, it's got a very focused structure, basically built on three pillars. Those three pillars are government leadership and accountability. So in that plan, we have 30 distinct new action items that we are going to lead as a government and ensure they are put in place so that there is accountability for what we're committing. And also we're tracking the progress on each of these actions, and that progress will be reported out once a year. So, you know, folks can see exactly where we are. The other pillar that we're looking at, as well as reducing our overall GHG emissions across government and across communities. Obviously, the reduction of GHG emissions is not part of this presentation today, because we are going to focus on climate change adaptation. And the third pillar is preparing for the impacts of climate change, preparing for climate change. And we'll get into the details around that. Okay, so let's look at preparing for climate change. Wanted to focus a little bit on the major climate change actions that are in our new plan. And this is really to give you a sense of where we're going
in terms of adaptation across the province, across municipalities, across sectors, and ensuring that, you know, citizens and individuals are also included in that adaptation to climate change impacts. So essentially, at a larger level, we have a provincial climate change risk assessment. So whenever you see CC on the presentation, it means climate change. So this is a provincial risk assessment that we're undertaking. We've started that process now. In the plan, we are committing to have a complete provincial risk assessment done by 2025. Once that risk assessment is complete, we will have essentially identified the vulnerabilities and the risks of multiple sectors across the horizon. So it could be an industrial sector, it could be the impacts to business, it could be the impacts to road network, municipal infrastructure, to municipalities, to property owners and homeowners. So that provincial risk assessment is very much a broad scale assessment of everything that's important to maintaining, you know, a sustainability in New Brunswick. So we will have that provincial climate change risk assessment done by 2025. The information in that risk assessment will inform the creation of a provincial climate change adaptation plan for the whole province. So the province will have an adaptation plan in hand so that it can tackle the identified vulnerabilities and risks across the province. That provincial climate change adaptation plan will also inform departmental adaptation plans. So we're going to ask all of our priority departments like DTI, you know, so on and so forth, to develop adaptation plans for their own departments. So these adaptation plans essentially will be built so that the department presents, this is how we will adapt to these identified vulnerabilities and risk that came out of the provincial climate change risk assessment. So each department will do a very deep dive into assessing what is at risk within their mandate or their business area, and developing adaptation measures or solutions that can be applied to those individual risks and vulnerabilities and reduce their overall exposure to the impacts of climate change. So on the municipal front or local government front, we are committing to have 50% of our municipalities with climate change adaptation plans by 2025. And by 2030, we are committing to have all of our local governments and rural districts, all of our local governments, municipalities and rural districts, 100% of them will have climate change adaptation plans by 2030. We're going to increase the resiliency of the public road network. So these are all provincial highways, and they're just not the four lane highways. These are highways that run through almost every community in the province. They're owned by DTI, and basically we're going to commit to an increasing the resilience of those provincial roads to the impacts of climate change. We're also committing to maintaining biodiversity and increasing our own resilience to climate change through the use of nature-based solutions and implementing a Living Shorelines program for essentially landowners who want to protect their land from the impacts of climate change. And those landowners obviously would be along shorelines, and that shoreline could be a coastal shoreline or it could be an inland river shoreline. But we're committing to implementing Living Shorelines program so that people know exactly what to do and are trained and made aware of what are the risks if you live along a river, if you live in a floodplain, if you live along the coast. Okay, so what are we preparing for? What conditions can we expect? And basically, I've boiled it down to
four major changes in the environment, if you will, in our climate, four of the root causes of impacts of climate change to all of us. So we're going to see increasing temperatures. So these are mean annual temperatures will be on the increase. We're going to see an increase in the total amount of precipitation overall winter and summer, and also its intensity. So not only how much falls for precipitation, but how hard it falls, if you will, in simple terms. We're also expecting an increase in storm severity. So when storms do occur, the projections are that they're going to be a little more severe, a little more forceful. And, you know, sometimes it's just a matter of degree of how hard the wind blew. And that can make a substantial difference on the amount of damage or the amount of impact. So we're going to see the intensity of these storms increase, and we're also going to experience increase in sea level rise, and we'll talk about that exact amount or that exact projected amount of sea level rise. And the other thing I need to mention is that these projections are for from now till year 2100. The International Panel on Climate Change has just released their new report last year, and slowly but surely the projections are starting to be hammered out right now by the federal government, so that these projections will give us an idea of where we're going in terms of these conditions that we can expect between now and 2100. Okay. So the last time we had a international panel of climate change report was well over 5 years ago, 6 years ago, which created these projections that I will share with you today. What we can see right now in the early assessment of the latest IPCC projections is that the projections will be pretty much very similar to these. There's going to be a few outliers where we're going to see bigger impacts. And when we did it 5 years ago, the province of New Brunswick had this commissioned by URANOS, which is the Climate Change Science Center for Quebec. We had 29 indicators. The beauty of technology now is that we're able to monitor more than 29 indicators. So the new climate change projections will probably be in the mid 40s in terms of indicators. So we'll have more succinct, more detailed impacts on each of these increased number of indicators. So what we can expect in terms of increasing temperatures is approximate increase in mean temperature of about 5 degrees Celsius. That's between now and year 2100. 5 degrees Celsius is very, very impactful. If you look at an area like the northwest corner, which between 1981 and 2010 had a mean temperature of 1.7 to 4.1 degrees. If you increase that by 5 degrees, it's going to be closer to 10 degrees Celsius as your mean temperature. Where you do it to a territory or an area in the south and south central part of New Brunswick, an extra 5 degrees centigrade will give you mean temperatures of probably 18 or 19 degrees. And that's very, very hot. So there's going to be some real impacts to an overall increase of a mean of 5 degrees across the province. Some areas will get more than that, and some areas will get around that 5 degrees. So where it's already warm, it's going to be problematic in many, many new ways. So we'll look at some of those impacts. So what impacts can we expect with increasing temperatures? So definitely we're going to see an increased number of extreme heat days. Extreme heat days are days that are over 30 degrees Celsius and days that are over 35 degrees Celsius.
So we're going to see an increase of those extreme heat days, either over 30 degrees Celsius or over 35 degrees Celsius. And there's a lot of impacts that come from that. And we'll look at some of them. Most of these will be health related. And we all know that we have an aging demographic. There's a lot of people that are post-retirement age. And that's when you have this extreme heat bother everything from respiration and cause all sorts of problems for that older age demographic in the province. Because of increasing temperatures, we'll also have shorter periods of snow on the ground and ice cover. Ice cover is important because if we don't have ice on our coastal areas, we're more open to storm surges that occur, you know, not late in the year through October, November, and December, but also early in the year in January. So if we have less and less ice on the Bay de Chaleur, on, Gulf of St. Lawrence, Northumberland Strait, if we get those late nor'easters and there's no ice on the water, we will get more directly hit. And usually that means directly hit from storm surge, more flooding, more erosion. In the spring, if the temperature is increasing, we're going to see earlier peak water flows in the spring. So here now I'm in Fredericton. So basically we just started up our River Watch program for the year, and that's keeping an eye on the St. John River, and its increase in elevation due to melting snow and rain events. So if we have earlier peak flows in the spring, we may have to change the way we deal with those earlier peak flows. But that is definitely a reality that we face, is instead of the peak, say for the Fredericton area, in the annual spring freshet of around May 1st, give or take a couple of days on either side, it could be much earlier in the spring related to increasing temperatures during the day. And those increasing temperatures, what will they do for economic, economic contributors to our economy, say like maple sugar production? Okay, so there's all of these ramifications that start to show up just by having our mean annual temperature increase by a few degrees. We're going to see new species and pests entering the province. Generally, there's a northward migration of southern species. There's a lot of species in the south that can't exist here because the winter kills them. But if we have increasing temperatures, then we'll see more and more southern species start to come in and basically take residence here in New Brunswick. Some of them will be pests that we have problems with. Others will be opportunities and so on. But we definitely will see a northward migration of many, many species. And it could be trees as well as bugs, insects, and so on. So everything gradually will move northward and build up, build up the tolerance to these increasing warmer temperatures. Some of those species are not just pests, but they're also invasive species. Like you see the black-legged tick here, which is responsible for Lyme disease. So there'll be more and more populations and geographical area overtaken by the black-legged tick. So it'll be a concern that, affects a lot of people, especially with, the outdoor nature or tradition of New Brunswick. Many, many people are outdoors for all kinds of reasons, fishing and so on. Again, the risk for an increase in disease is also elevated. So we're going to see warming waters as well. And these are both inland and coastal.
warming waters, especially if they're stagnant and not moving a lot, can create algal blooms. If we have warming waters on the coast, that'll change the coastal system as well. An example of this, and we're benefiting from it in New Brunswick, is that the state of Maine, their lobster production, or harvest, if you will, is going down very, very quickly because of warming waters in the Gulf of Maine. So those lobsters need cold water, and they're moving up the Bay of Fundy, benefiting ourselves, New Brunswick, PEI, and Nova Scotia, but putting at risk an established lobster economy in Maine. So it's doing things like that. So there's going to be increased impacts, but there's also opportunities from climate change as well. We're going to see extended growing seasons. What does that mean? That means farmers can experiment with new crops and find new markets for these new crops, which they never had before. Corn is a good example. 25, 30 years ago, you'd hardly ever see a field of corn. If you drive up the St. John River Valley now, chances are you're going to see potatoes and corn. So it is changing. Corn requires a lot of heat units. But farmers have known this for a long time, and they've switched, you know, they have a good sense of what the conditions are, and they switched to corn quite quickly and took advantage of those new opportunities. We're going to have increased freeze thaw conditions as well. You know, that hot, cold overnight, warmer in the daytime, conditions that DTI is not a big fan of because of the potholes they create on their extensive road network. So there are some real impacts to all types of services, all types of departments, and all types of sectors as well. And this is just from heat. Okay, so let's look at the precipitation situation in terms of projections. There's going to be an increase in the total amount of precipitation and also an increase in its intensity. Just like the storms will be more intense, those individual precipitation events will be more intense as well. The real eye-opener here is that with the increasing heat, we're going to see an increase in the number of rain days during the winter months. And in fact, over the winter, we can expect that there will be more rain events than snow events. So this is an important consideration as well. So between now and 2100, we're projected to see more rain in the winter than snow. So very significant. So what will this produce? What types of impacts will this produce? Well, if we have more intense rain events and we have more rain versus snow, snow doesn't cause flash flooding, really. So if we have more rain events in the winter when the ground is frozen, that water will move off the landscape quite quickly and generate even more flash flooding. It'll generate overall flooding and cause quite a bit of erosion, and erosion puts new sediments into the system, and all of this impacts infrastructure, which is built on the ground. So it's either in-ground winter infrastructure or above-ground infrastructure. But if you have water flowing down a hillside in the winter, it's going to impact a lot more items than we are seeing right now. Oui. Oh, Iris, on est rendu à la fin, là. OK. Je ne sais pas si tu voulais juste faire la conclusion, puis on pourra passer aux questions avant de poursuivre. OK. Parfait. I'll just say a couple more things is, increasing storm severity is going to be a big challenge. We are looking at more and more post-tropical storms affecting the province, and there's damages associated with that. There's storm surge, there's power outages, so on and so forth. So these are things that people need to be aware of and start to essentially adapt to these new conditions. So I'll just go through here.
you know, the problem with erosion that we can expect because we have very little time left. And I wanted to touch on the increased sea level rise. So we can expect an increase of about a meter, if not a little bit more, between now and year 2100. So the good visual message here is go down, if you live along the coast, or if you're visiting the coast, go down to the high tide mark, which everybody knows where it is, on a beach, for example, stand there and add 1 meter in height to that high tide where your feet are standing. And that's going to be the new sea level rise conditions we have to deal with. And that amount of water during a storm or storm surge, you can just see the real impact of an extra meter in height of storm surge. So I'll just cut it off here. Storm surge, obviously erosion and more flooding, especially along the coast. And I'll open it up for questions because Julie has mentioned that we're out of time. Yes, any questions? And please remember, you can email me a question at any time. So I'm open for questions. And sorry about that, Julie. Merci, Robert. Excuse-moi, là. C'est moi la méchante qui dit... ça dérange pas. Qui a été pris avec le temps, là. Any questions? Y aurais-tu des questions? Oui, Serge, je ne sais pas si qu'il y avait quelques questions. Sinon, on peut... Si c'est juste mes questions, on peut attendre peut-être à la prochaine période de questions. Oui, merci Julie, merci Robert pour cette présentation. Il y avait une question spécifiquement de Marcel Viennot, je vais peut-être la poser en son nom, juste en termes de continuer avec la cédule ou l'horaire. C'était en termes de s'il y aura du financement prévu pour les municipalités qui souhaitent mettre de l'avant des solutions basées dans la nature. Il y a des projets fédéraux qui existent. Il aimerait savoir si la province va complémenter ces fonds-là, par exemple, pour permettre la réalisation de plus de projets. Je ne sais pas si tu peux commenter là-dessus, Robert. C'est sûr que les études d'adaptation au changement climatique vont être essentiellement financées par le Fonds de fiducie sur l'environnement. Alors, les municipalités peuvent faire demande avant le 30 novembre pour se créer un plan d'adaptation au changement climatique. Et par suite, dépendant de les mesures de solution ou solutions pour l'adaptation, il y en a quelques-unes qui peuvent être financées. Et il y a plusieurs programmes de financement à travers du Fonds de fiducie sur les changements climatiques. Et les gens dans les municipalités, comme les municipalités, peuvent accéder quelques fonds là-dessus. Si c'est un projet, mettons, pour réparer ou élever une route principale qui fait partie de l'inventaire provincial, alors il y a des conditions pour accéder le fonds du changement climatique. Et en même temps, il y a plusieurs fonds au niveau fédéral que les municipalités peuvent appliquer pour. Normalement, ça se fait à travers de leur association des municipalités. OK, peut-être qu'on peut mettre un lien pour le plan d'action de changement climatique de la province. Ça serait intéressant, spécifiquement pour les projets municipaux dont tu parles. Ce serait intéressant d'avoir plus d'informations là-dessus. Oui, alors les municipalités peuvent, à travers d'un ministère, par exemple, peuvent faire une demande pour du financement. Dans le moment, le Fonds du changement climatique n'est pas disponible aux municipalités, mais s'il y a une vulnérabilité ou de l'infrastructure qui a été endommagée, mettons, et l'infrastructure appartient à un des ministères, les municipalités peuvent se mettre en contact avec les ministères ou le ministère, et de là, ce ministère-là pourrait faire une priorité de cette dommage et faire demande au fonds du changement climatique. C'est comme ça que ça marche. La municipalité ne peut pas accéder directement
ce financement-là. Mais il y a du financement fédéral que les municipalités peuvent directement accéder. C'est important de se lier avec l'association des municipalités qui peut faire la demande pour les plus petites municipalités, si vous voulez. Parfait. Merci, Robert. Merci. Merci, Robert. S'il y a d'autres questions, vous pouvez continuer à les poser dans le chat. On va aller tout de suite à la deuxième présentation. J'aimerais vous présenter Sabine Dietz de Climat Atlantique qui va nous présenter un nouvel outil qui a vu son lancement officiel hier. Sans plus tarder, Sabine, je te passe la parole. Merci beaucoup. Je vais juste essayer celui-là. Tu me dis si ça fonctionne. Ça fonctionne? OK, oui. Perfect. Julie, tu m'avais dit que de le faire en anglais ou en français? Tu peux le faire en anglais. Oui. OK, thanks for having me. So I think most of you know that Climat Atlantique exists, and I'll try to speak slowly for the interpreter. I wanted to just briefly also provide an introduction to our organization simply because, repeating it makes sense to me. I wanted to highlight that we've got specialists in all four provinces, two in Labrador and Newfoundland, because Labrador is very different, and then a core team that supports the work of those provincial specialists in all the areas that are needed. Just a little bit about why we exist and what our raison d'être is. It really, what we want to do is make adaptation accessible to all Atlantic Canadians. And within that, you can imagine all the things that need to be done to make that happen, from public education to moderating webinars or workshops to publishing a video that we did yesterday. And some of you may have seen it, and Serge La Rochelle is in that, which is really nice. And the purpose is really to get more people onto understanding adaptation, both the impacts of climate change as well as the adaptation options they have. What we've done so far, some of the tools and things that we've been doing, the networking map is online under our tools dropdown. Adaptation library will come online hopefully at the end of the month. Coastal adaptation tool, I'll talk about that a bit. We've moved a couple of the adaptation stories out of Atlantic Canada into the map of adaptation actions, which is a federal map, as well as, of course, we've told some of the stories in our adaptation video that we launched yesterday. That's also available on our website. We've undertaken a couple of webinars on various topics, including, for example, on the Natural Infrastructure Fund that Infrastructure Canada came out with last, I think, in the fall. There seemed to be a need to understand it better for municipalities, provincial meetings, workshops, and mostly topic-specific, responding to a specific need. If you don't follow our newsletter or social media yet, especially the newsletter provides a lot of updated information. So we really scour everything from federal to provincial information that we can get out there about adaptation. A couple of reports that we've worked on, one is on flood risk and municipal liability, specifically for municipalities. There was a question around that. It's popped up a number of times. We have completed a report on managed retreat. We will make that public. It needs to be translated. Conferences, and I want to highlight, we're also going to have a conference on May the 24th, a one-day conference, which will focus entirely on adaptation actions. So things that have been done, things that are in the works, new approaches, all of the things that don't have to do with planning, but rather with the implementation of action, because that's where we're really thin on the ground in terms of sharing both failures as well as successes. Just briefly on, solid data, like where do we get the information? One of the pieces that we do is make sure that Atlantic Canadians have the correct projections going forward. And so there's sites that we promote, we work with, we advocate for variables to those data sources that are of value to Atlantic Canadians. So we make sure, for example, that centrally it's understood what are our own priorities in Atlantic Canada. And climatedata.ca is probably the best tool at this time available that you can go to with specific information per communities. Newsletter, I mentioned that already. It always comes out at the beginning of each month. And then the tools. So in the tools, like I mentioned, the networking map is in there. And I just have to, the networking map is in there. So if you want to connect and learn about what others are doing, if there's people, nonprofit organization, municipalities that have done certain things,
if there's engineers out there that can help, that's the place. So we've got over 160 pins now on the map, and hopefully in effect this was one of the priority needs that were identified when we started up, when we did meetings across Atlantic Canada. Second one, which is why Julie asked us to present. Yesterday, we launched the Coastal Adaptation Toolkit. And this is not something that's entirely new. The toolkit was developed leading up to its publication in 2016, but then it sort of went dormant. Nobody promoted it. It went outdated. The online interface wasn't the nicest. You had to register. So we asked the three lead organizations, St. Mary's University, Danielle Prosty, Dallas University, Patricia Manuel, and CPCL, Vincent Lays, to lead the revisions and redevelopment of the tool, which is now online. And I am going to, oh yeah, this is the other piece on that. So there are 27 engineering and coastal interventions options in this tool and 34 land use planning options if you're choosing the community pathway. And then of course, there's these three heavy documents that you can download, bilingual. There's an English version and a French version. And thanks to New Brunswick government for actually translating those documents. They're really pretty, pretty heavy. What I want to do now, just quickly, I need to switch my screens here. I want to briefly walk you through. So I'm not going to do all the selections that are on this screen. I just wanted to show a couple things. So on the tool, you can choose between four communities or four property owners. So essentially, if you're a municipality or incorporated community, you can go there, and what you will get are both engineering and coastal intervention options, as well as land use planning options. If you're going to the property owners one, you're only going to get the engineering or coastal intervention options. So this is the big difference, because property owners, of course, don't make land use plans and so on. Big disclaimer at the bottom here, you'll see we're using this as an informational tool. Essentially, it's an informational tool. So when you work with people that are using it, you'll always have to say, well, you still have to use your engineers. You have to go to your municipality to see, well, what kind of zoning and bylaws exist, and the regulators. Do I need a WAWA permit or not? You know, what are the regulations in each province? This is, of course, for all of Atlantic Canada. So the background documents that are here, part one, part two, and part three, cover all three provinces. When you go in there, you're asked in both cases to look at a specific site. So it won't work if you say, oh, you know, my community of Shediac, I want to look at all of the problems that are there. This is not the tool for that. This is the tool for when you have a stretch of coastline, a stretch of infrastructure that's been damaged through erosion and flooding, or when you have a particular piece of land. Like this is the property owner's tool. So you want to look at your piece of land. That's pretty the same all along. That's when the tool works the best. And so you answer, as you go along, you answer a number of questions that are specific to you understanding the piece of land that you're looking at. So you need to know what the shoreline is. You need to know whether things can be relocated or not. Of course, managed retreat is an adaptation approach. You're looking at the kind of slope of the site, because as you go through and as you answer the questions, the different options are appropriately deselected or put in a lower selection, in an avoid selection, for example, because some things that you can do on a gentle slope, you cannot do on a moderately steep slope. And the same thing, it's a very steep slope, some things you just can't do there. And as you go through, at the end, you have your responses. You can review your responses. You can review the measures, but you can also download it as a PDF, as an Excel file, or you can start over again. And down here, you'll also find the help desk. So when you get your result, you essentially get a big PDF. We made it really nicely colorful because we like colors, with your questions and your answers. And then you have your options that for this specific case popped up as, oh, those are good options. Those are the ones you could look at, with all sorts of details going to the right. And then you go into some, because of the questions, how do you answer the questions? Some will be showing up as concern, apply with caution, and then some will be literally avoid. Like those ones, for whatever reason, whatever answer you gave at any point during this process of answering questions, they're just not appropriate for that site. There's a lot more information in there.
in the PDF that you can download. This is specifically for your site. At the end, you also have documents, the fact sheets for each of those options that you can essentially download. So you'll have to download the PDF to do that. So that's essentially our tool that we've redeveloped, and that is now open to for public use. What we're offering across the region is that we're more than happy to help in people walking through the tool, helping communities through it, answering questions about the tool, as well as interpreting and explaining the output that you get in the end. Because the PDF that I showed you, it's not that easy to read. We're very much aware of that. And the intent is that we are the assistance facilitator moderators that will help anybody who needs to. We're also planning training. We're planning a training session more detailed than what I just did, looking at, you know, why do I need to answer this question, or what does this actually mean? So every page of this tool has pictures and graphs to actually explain this is what we mean when we say, what's a bluff? What's a steep slope? What's a shallow slope? So people can really start understanding that. But we're there to help along. We'll do the training next week on March 30th. So more in detail training, how do you use it? And then hopefully anybody can contact us through the help desk and ask for assistance with this tool. And we're assuming that this will go on for, like, this assistance that we're providing will be part of what we do going forward. As I said, both in English and in French, separate tools, separate page on our website, separate process, but we will provide those services to the entire area in Atlantic Canada. Merci, Julie. Super, merci beaucoup. Très belle présentation. Serge, je ne sais pas s'il y avait des questions. Thank you, Sabine. I didn't see any questions in the chat. If someone wanted to ask a question, you could raise your hand now or turn your video on. I had a quick question, Sabine, in terms of, so you, at the beginning of your presentation, you talked about Climate Atlantic, you mentioned the regional representatives. I guess someone who's using the toolkit has come up with some information for their location. Would one want to communicate with their regional coordinator as a follow-up to ask questions, or maybe paint us a little bit of a picture of that type of scenario, if you don't mind? Yeah, so it'll be both. You can simply go to the help desk, that'll be forwarded. And if it's in New Brunswick, it'll go to Jenna Miller, who's the New Brunswick provincial specialist, and she will work with folks in New Brunswick. Luckily, Jenna is absolutely fantastically familiar with the tool. She's worked on the background, the logics, the making sure that everything works. So you've got a fantastic resource there in helping you through. She'll also be part of course, next week's training. Yes, so you can either choose to go generally through the help desk or directly contact Jenna through also the information's on our website. All of us have first name, last name, and then at climateatlantic.ca, by all means. Yeah. That's wonderful. Okay. And we're also more than happy to do more training later on as needed. So that is, we're just going to wait what the need is. We'll see what's needed, and then we'll expand training and help support services. For those interested in the training, right, how do you register? I am pretty sure it's already on our website under events. So climateatlantic.ca, go to events. It should be there. If not, it'll be there in a little while. And I'm hoping that we'll probably promote it over the next couple of days, and we'll put it, if it's not on the NBN events page yet, it will be by the end of the week, so. Would training be relevant as much in terms of regional planning or municipal planning as a homeowner or a coastal property owner, for instance? Would the training be sort of selective in terms of who's interested? I think what we'll do on both sides, for both sides, and then see what the response is and whether we should do more specifically for municipalities or specifically for homeowners. We're going to respond to the needs as they pop up. I'm not saying that this is what we need. I'm just looking at, so let's see who registers next week for the event next week. Let's see whether there's more of a need for something specific, and then we will respond to that accordingly. So it's better that way, because honestly, I don't know. Both the Coastal Toolkit as well as the video have had a
surprising amount of video coverage from my end in terms of requests for interviews and stuff like that. So there's a considerable interest. So we'll monitor how it goes and where the needs are and then respond to them. Open to everything at this stage. Great. It's great to see those tools come to the forefront. Yeah, that's excellent. Great. So if there's no more questions, thanks very much for having me. And I apologize, I have to run. So there's too many things going on. But merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Thank you for joining us. Okay, thanks. Bye. Merci, Sabine. Bonne journée. Je ne sais pas s'il y avait eu d'autres questions, Serge, dans le chat ou sinon. Pas que j'ai vu dans le chat. Je n'ai pas vu de main se lever. OK. Sinon, puis, Beaucoup de liens ont été mis quand même dans le chat là, pour faire des suivis. Merci, Zahra, de fournir ces liens-là, entre autres. Ça fait le tour de ce que Climate Atlantic offre en ce moment. C'est excellent. C'est bien. Donc, OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à la pause. On est un petit peu plus tôt, donc on se donne un 15 minutes au lieu d'un 10 minutes pour la pause, pour pouvoir dégourdir les jambes pour les deux prochaines présentations. Donc, on voit tout le monde ici de nouveau à 2h10, à 14h10. Donc, on va continuer avec la prochaine présentation. Donc, j'aimerais vous présenter Céline Surette, professeure au département de chimie et biochimie à l'Université de Moncton. Donc, elle va nous parler de ses recherches qu'elle a faites dans le secteur communautaire. Donc, Céline, est-ce que tu seras prête? Merci. Vous voyez bien mon écran, puis vous m'entendez? Oui? Tu m'entends, Julie? Tu peux me faire un thumbs up, je vais te voir. OK, super. Donc, merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est vous faire une présentation de deux études qu'on a faites en survol. Hein, deux études qu'on a faites, ça fait quand même quelques années, mais que je pensais qu'elles étaient quand même pertinentes à vous partager aujourd'hui. Donc, des études qu'on a faites sur des métaux. Dans l'eau, dans deux circonstances différentes. Je ne travaille jamais tout seul, comme la plupart d'entre nous, donc je veux reconnaître que c'est du travail qui a été fait avec une équipe de recherche ici à l'Université de Moncton. Donc, je voulais commencer en nous situant un peu, en situant un peu aussi l'approche de recherche qui guide la façon que j'entreprends des projets de recherche. Puis, la première, c'est de se rappeler que quand on parle de l'eau, on parle d'un élément dans notre environnement. C'est un élément qui est impacté par toutes sortes d'autres choses qui se passent dans notre environnement. Donc, on va avoir toutes sortes de développements qui se passent sur notre territoire qui vont avoir des impacts sur l'eau qu'on boit et qui sont influencés par des décisions qu'on prend comme société. Et quand on parle d'exposition aux contaminants, c'est sûr que l'eau est une source qui compte beaucoup quand vient le temps de réglementer, par exemple, mais il ne faut jamais oublier que cette exposition-là, elle se fait dans un contexte beaucoup plus grand d'être exposée par différentes voies et l'eau en est une. Donc, en plus d'avoir différentes voies, d'avoir différents impacts sur nos écosystèmes, on se retrouve aussi, quand on parle d'exposition, à être influencé par les caractéristiques biologique, social et environnemental dans lesquels on vit et qui définit les individus et les communautés. Ça fait qu'on peut penser aux différents facteurs socio-économiques, culturels, sociopolitiques, mais aussi toute la question de la biologie de l'individu, le milieu dans lequel il vit et l'impact des changements climatiques. Puis à travers tout ça, bien, il y a aussi nos substances toxiques auxquelles nous sommes exposés. Quand on parle de substances toxiques, ben, on va être exposé à plusieurs substances à la fois qui vont avoir des effets multiples et qui vont varier selon les individus, selon le contexte dans lequel
on vit. Donc, les conditions sociales, les conditions économiques, les conditions démographiques vont avoir des impacts sur l'exposition et vont aussi jouer sur l'état de santé. Donc, ça, c'est comme pour mettre la table un peu sur les grands principes là, qui sont derrière toute la recherche qu'on fait quand on parle de contaminants. Fait que là, je veux revenir vraiment aux deux études que je voulais vous présenter. Puis, je vais vous les présenter en parlant d'effets sur un continuum. Donc, la première étude, je la classe dans l'idée de comprendre nos lignes de base qui sont... qu'on a dans notre environnement. Donc, on est chanceux d'une certaine façon avec toutes les questions d'eau potable d'avoir quand même des programmes de surveillance qui sont rigoureux. Hein. On va avoir des bonnes données sur les pathogènes qui sont dans l'eau, sur les différents métaux qui sont réglementés. Ça, on va avoir des données continues. On est capable d'avoir une idée des données de base qui existent dans les eaux, du moins les eaux municipales. On va y revenir quand on parle d'eau de puits privés. Donc, je vais commencer avec une étude où est-ce qu'on s'est intéressé à déterminer une ligne de base pour un élément qu'on ne mesure pas normalement dans l'environnement. Et ce projet-là qu'on a mené à partir de 2015 à peu près, 2015-2016, c'était dans les moments chauds de toutes les manifestations qu'il y avait contre les projets d'exploration de gaz de schiste au Nouveau-Brunswick et en particulier dans le comté de Kent. Et on s'était fait approcher par des groupes de citoyens à savoir comment on pouvait aider la cause ou aider à avoir des données, en tout cas, sur l'environnement. Et suite à des discussions avec eux, ce qu'on a réalisé, c'est que nous, dans notre position scientifique, dans nos laboratoires à l'Université de Moncton, la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était vraiment de monitorer la qualité de l'eau pour pouvoir avoir des lignes de base avant. Et donc, on s'est intéressé à développer des indicateurs qui nous permettraient de suivre la contamination potentielle d'une exploitation potentielle des gaz de schiste. Et on s'est intéressé aux radionucléides qui sont mesurés fréquemment et qui n'étaient pas non plus mesurés par des... On mesure ça avec des détecteurs de radioactivité habituellement. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des méthodes où est-ce qu'on détecte l'élément par des techniques de spectrométrie de masse. Donc, on détecte vraiment l'élément et non sa radioactivité. Et là, ce qu'on a fait, c'est de travailler avec les régions où est-ce qu'il y avait des projets d'exploration. On est allé faire des analyses des autres puits et on a mesuré différents éléments. Je vous rapporte ici les concentrations de radium dans l'eau qui sont toutes vraiment faibles. Ici, il n'y a pas d'enjeu de contamination au radium dans nos eaux, mais c'était vraiment l'idée de pouvoir avoir des traceurs qui nous permettraient de pouvoir suivre une activité industrielle si activité industrielle il y a. Ça fait que ça, c'est un exemple d'un projet qu'on a fait où est-ce qu'on a dû échantillonner une centaine de puits, un petit peu plus qu'une centaine de puits pour pouvoir se faire un portrait en particulier de la région du côté de Kent. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a voulu aussi suivre ces éléments-là dans le temps pour voir comment les éléments, leur concentration varie pendant une année ou dans certains cas pendant presque 4 ans. Et on peut voir que pour la plupart des éléments métalliques, les concentrations qu'on va avoir sont des concentrations qui sont stables. Donc ça, c'est intéressant surtout pour des gens qui ont des puits, de savoir que quand on fait faire une analyse de nos éléments métalliques, on peut avoir une idée des concentrations qu'on a et on peut s'attendre que ces concentrations-là vont être stables dans le temps, ils ne vont pas varier selon les saisons. Donc, c'est vrai pour le radium, je ne vous présente pas de résultats de d'autres éléments, mais quand on l'a fait pour d'autres éléments, c'est à peu près le portrait qu'on voit également. Ça fait que ça vous donne l'idée d'une première étude qu'on a faite qui avait vraiment comme objectif d'outiller les citoyens avec des lignes de base dans leur communauté pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'était le portrait de départ de leur eau dans
et d'avoir des outils pour suivre une exploitation dont les gens ne voulaient pas. Hein. Donc ça, c'est pour un premier projet. Deuxième projet que je vais vous présenter traite de la question de la santé des enfants. Donc, encore revenir à mon idée de regarder la santé sur un continuum, hein, quand on parle de santé, on ne veut pas juste s'intéresser aux problèmes de santé majeurs qui demandent des hospitalisations ou des traitements. On veut pouvoir commencer à comprendre l'impact des substances très tôt dans la courbe de la santé. On veut pouvoir voir les différences légères au niveau du groupe. Et moi, ce qui m'intéresse quand je travaille sur les contaminants, c'est vraiment la santé de la population. C'est de pouvoir voir comment on peut comprendre les impacts qui peuvent paraître minimes parce qu'on est sur un individu, mais qui peuvent avoir des conséquences sur une population. Donc, il est vraiment important de développer des indicateurs précoces des altérations à la santé. Et c'est ça qu'on a essayé de faire dans notre projet où est-ce qu'on s'intéressait au manganèse dans l'eau potable et pour savoir si ça affectait la santé de nos enfants, en sachant qu'il y avait déjà des études qui avaient montré que le manganèse est un agent neurotoxique, donc qui impacte le développement cognitif et intellectuel des gens, mais en particulier des enfants. Et donc, ça, c'était dans le cadre d'un projet qu'on a nommé le projet Aquadi, et qui était fait en collaboration avec une de mes collègues qui est à l'hôpital Sainte-Justine, Maryse Bouchard, qui est épidémiologiste. Donc, on avait vraiment une belle équipe avec un psychologue de l'Université de Moncton en neuropsychologie et moi dans mon laboratoire de chimie analytique. Donc, c'est quoi le manganèse? Bien, le manganèse, c'est un métal, c'est un élément du tableau périodique qu'on va retrouver naturellement dans l'environnement et qui est un élément qui est un oligo-élément. On en a besoin dans notre alimentation pour être en santé. Donc, ici, vous voyez des différents aliments qui sont riches en manganèse et dont il est souhaitable de manger pour pouvoir maintenir les différentes fonctions cellulaires de notre corps. Mais le manganèse, il est très bon quand il est associé à des protéines puis à des groupements organiques dans la nourriture. Il est moins bon quand il est juste dans l'eau sous sa forme inorganique, ionique, où est-ce qu'il peut passer beaucoup plus facilement la barrière hémato-encéphalique. Donc, il peut passer du sang au cerveau beaucoup plus facilement. Il va commencer à avoir des impacts. Donc, le manganèse, c'est un élément essentiel qu'on retrouve naturellement dans l'environnement. Et où est-ce qu'on va le trouver en particulier? C'est dans la roche mère. Donc, les eaux souterraines qui alimentent quand même beaucoup de l'eau potable ici au Nouveau-Brunswick, cette roche mère-là, si elle a du manganèse, bien, ce manganèse-là peut se retrouver dans notre eau potable. Et il faut connaître nos concentrations pour pouvoir le contrôler, s'assurer qu'on a des concentrations qui ne sont pas trop élevées dans nos eaux potables. Donc, le manganèse, on va y être exposé par notre consommation d'eau. Donc, on va avoir nos puits qui nous amènent notre eau et cette eau-là, on va pouvoir être exposé par l'eau qu'on boit et aussi par l'eau qu'on utilise pour préparer notre nourriture. Ça fait que vous imaginez, on fait du riz, on utilise de l'eau du robinet, bien, si les éléments qui sont présents dans l'eau vont aussi se retrouver dans notre riz. Donc, quand on considère l'exposition au manganèse par l'eau, il faut considérer ces deux voies-là d'exposition majoritairement. On pourrait rentrer dans l'idée qu'on peut avoir de l'exposition qui passe par la peau quand on est dans notre bain. C'est mineur, c'est pas significatif comparativement à ces deux autres voies-là. Donc, on va les ignorer pour le moment. Donc, nous, on s'est intéressés en particulier aux enfants. Et pourquoi? Bien, c'est parce que les enfants, ils sont en croissance. C'est pas juste des petits adultes, c'est des êtres qui sont en train de se développer. Ça fait que quand un enfant, bien, beaucoup de ces systèmes ne sont pas encore matures, donc ils peuvent être plus vulnérables à certains contaminants que quand on est rendu adulte. Un enfant aussi va manger, boire et respirer
plus d'eau, de nourriture et d'air par volume qu'un adulte. Donc, ça veut dire qu'il est plus exposé. Il va aussi avoir des comportements qui sont différents des adultes. Donc, ils peuvent être exposés par d'autres voies que celle de l'alimentation ou de la respiration aussi, comment on a le comportement de jeu, là, où est-ce qu'on met tout dans notre bouche. Là. Ça fait que ça fait en sorte que les enfants peuvent être exposés par plusieurs voies différentes de celles des adultes. Et finalement, ben, un enfant a une longévité plus longue que celle d'un adulte. Et ce que je veux dire, c'est si un enfant a 2 ans et que la longévité est 80 ans, il lui reste 78 ans à vivre statistiquement. Si on en a 40 et que la longévité est 78, il nous en reste juste 38 à vivre. Donc, il y a plus de temps pour être exposé aux contaminants. Donc, si on s'intéresse à la santé des enfants, qu'on comprend les impacts des contaminants sur les enfants, bien, on peut par le fait même protéger l'ensemble de la population parce qu'on s'est intéressé à un groupe qui est plus vulnérable et donc nos limites de concentration ou nos normes vont viser un groupe qui est plus vulnérable. Donc, comment on fait pour déterminer les altérations précoces de la santé? Je vous ai dit que je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe au début sur le groupe, puis je ne voulais pas me rendre à voir les problèmes de santé plus importants émerger. Donc, une des façons qu'on peut faire, c'est d'essayer de comprendre l'impact des contaminants sur le développement intellectuel et sur des tests qui sont complètement imparfaits, mais qui nous aident quand même à comprendre l'impact des contaminants, comme des tests de QI. Donc, dans une population normale, et pour voir qu'est-ce que ça veut dire un effet à l'échelle d'un groupe, dans une population normale, on va avoir la majorité de notre population qui est autour du 100 points de QI, avec des gens qui sont très doués puis des gens qui ont plus de difficultés. Ça fait que quand on a une courbe de population comme ça, tout va bien. Si on déplace la courbe vers le bas, on va se retrouver avec une situation ici, j'ai peut-être fait un bon majeur, mais disons qu'on ferait un bon 5 points. Si on perd tous 5 points de QI demain matin, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte. Peut-être que vous allez voir que vous êtes un peu plus lent que ce que vous vous rappeliez d'être, mais ça ne va pas affecter de façon dramatique votre fonctionnement. Par contre, sur une population, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 2,5 fois moins d'enfants ou de personnes qui sont surdouées et de l'autre bord de la courbe, on en a 2 fois plus qui ont des problèmes d'apprentissage. Et donc ça, c'est majeur sur une communauté parce que ça veut dire qu'il faut mettre plus de ressources dans les écoles, par exemple, pour pouvoir offrir plus de support pour l'éducation. Donc, quand on parle d'un effet qu'on ne ressent pas au niveau de l'individu, mais qu'on peut ressentir à l'échelle du groupe, c'est important de s'intéresser à des choses comme ça qui peuvent sembler mineures. Donc, dans une étude que ma collègue Maryse Bouchard avait faite avant qu'on arrive avec celle du Nouveau-Brunswick, elle avait étudié des enfants de 6 à 12 ans au Nouveau-Brunswick avec des niveaux d'exposition manganèse qui étaient différents. Et on pouvait voir que pour le groupe qui était le plus exposé, qui était au-dessus de 200 microgrammes par litre, avait 6 points de QI de différence avec le groupe qui était peu ou pas exposé au manganèse. Donc, c'est quand même vraiment important comme différence et certainement assez important pour qu'on se pose la question sur les normes. Au moment où est-ce que ces études-là étaient faites, il n'existait pas de normes de santé pour le manganèse. En fait, l'Organisation mondiale de la santé en avait une à 400 microgrammes par litre, donc beaucoup plus élevé que ici, ce qu'on voit là, en termes d'impact sur le QI dans cette étude-là, et même à 100, hein, on voit déjà qu'il y a eu une diminution par rapport au groupe non exposé. Donc, il y avait quand même... Ça a certainement attiré l'attention et il y avait besoin d'avoir plus de données pour pouvoir confirmer ces résultats-là. Donc, arrive le projet Aquadi. On s'est intéressé à voir si on pouvait voir au Nouveau-Brunswick si l'exposition au manganèse par l'eau potable pouvait être mesurée par des différents biomarqueurs et s'il y avait un lien avec les habiletés cognitives et neuromotrices chez les enfants.
Donc, pourquoi on est venu au Nouveau-Brunswick? Bien, le Nouveau-Brunswick, on est une population où est-ce qu'il y a 100 000 foyers qui utilisent des puits privés. Ça représente 40 % de la population du Nouveau-Brunswick qui a des puits privés. L'eau souterraine comme telle alimente plus de 60 % de la population du Nouveau-Brunswick. Il y a plusieurs municipalités qui utilisent de l'eau souterraine dans leurs eaux municipales. Et l'eau souterraine contient plus de manganèse que l'eau de surface. Donc, la moyenne canadienne des populations qui sont sous l'eau souterraine est à 30 %. Ça fait que le Nouveau-Brunswick est quand même une province qui a un risque d'exposition au manganèse plus élevé que d'autres régions du Canada. On a recruté 280 enfants de 6 à 12 ans de différentes communautés du Nouveau-Brunswick. On a ciblé les communautés francophones parce que ça nous permettait d'avoir juste une série d'outils dans une langue au lieu d'avoir deux langues dans une étude. C'est plus simple pour les analyses. Les conditions étaient qu'il fallait qu'ils soient sur des puits privés. On cherchait à avoir différents gradients de concentration de manganèse. Mais ça, on le savait juste après parce qu'on acceptait les enfants dans nos études dès qu'il y avait un puits privé qui avait resté à leur maison pendant un certain montant de temps. Ça fait qu'on a surtout été on a juste été dans le sud-est du Nouveau-Brunswick pour des raisons logistiques d'être tout plus près de l'université. Ce qu'on a trouvé quand on a fait nos analyses du manganèse dans l'eau, c'est que la plupart de nos enfants étaient en fait très peu exposés au manganèse. Il était en bas de 5 microgrammes par litre, mais on avait quand même une partie de nos enfants qui avaient plus que 50 microgrammes par litre, donc plus que la norme esthétique qui est utilisée pour éviter que l'eau tache, la lessive. Là. On en avait quand même 17 % qui étaient au-dessus du 100 microgrammes par litre, qui étaient donc au-dessus des valeurs que ma collègue avait vues comme causant une diminution du QI chez les enfants. Et il y en avait 4 % qui dépassaient la norme de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on était capable de voir que le manganèse qui était dans l'eau ou celui qui était calculé par ce qui était par l'apport en manganèse par l'eau qu'on boit était relié avec nos indicateurs. Là, je vous le montre avec les cheveux. On en avait testé plusieurs pour pouvoir déterminer quel biomarqueur était le meilleur. Donc, on peut voir que nos groupes plus exposés ont des concentrations plus élevées de manganèse dans leurs cheveux. Et quand on a fait les relations avec le QI, c'était vraiment intéressant parce qu'on a comparé les filles et les garçons et on a vu chez les filles avec peut-être un petit peu moins de diversité dans les QI calculés, mais on voyait une diminution du QI en fonction de la concentration de manganèse, comme qu'on s'en attendait. Pour les garçons, on a vu quelque chose de différent. Probablement que ceci, c'est dû au fait qu'on avait une population qui n'était pas extrêmement exposée au manganèse, mais de voir cette différence-là entre les filles et les garçons nous a aussi amené à poser la question, ben, il faut s'intéresser aussi à la question de genre quand on essaie de comprendre l'impact des contaminants sur la santé. Ça a quand même permis d'augmenter la base de données qu'on avait avec les études qui avaient été faites au Québec. Et ensemble, on a pu vraiment confirmer là, que les enfants qui sont plus exposés au manganèse ont tendance à avoir des QI plus faibles malgré le graphique peut-être un petit peu contradictoire que je vous montre ici. Donc, la portée d'Aquadie, bien, c'était vraiment d'essayer de comprendre cette exposition-là au manganèse pour pouvoir prévenir et intervenir dans le cas de contamination. Donc, quand on parle d'intervention, puis je pense que Gérard Souma, qui va faire une présentation après moi, pourra vous en dire plus long, mais c'est important de traiter son eau quand on a des concentrations d'éléments métalliques qui sont au-dessus des normes ou qui sont au-dessus de valeurs qui causent des impacts. Donc ça, c'est une des façons assez simples de réduire l'exposition
au manganèse. Et certainement, à chaque fois qu'on avait des résultats d'autres puits où est-ce qu'on avait des métaux qui dépassaient les normes de santé, on appelait les parents là, pour pouvoir parler des différentes options et on les mettait en contact avec, avec des gens qui pouvaient les aider à traiter l'eau potable là, chez eux. Mais ce qui est encore plus important, ou pas plus important, mais c'est d'avoir des normes. Hein, je vous ai dit au début, on n'en avait pas de normes pour le manganèse. Depuis, on en a une et c'est grâce en partie aux études qu'on a fait. La nouvelle norme de santé que Santé Canada propose est de 120 microgrammes par litre pour les concentrations de manganèse dans l'eau. Donc, vous voyez, notre étude, nous, on avait fait la recommandation à Santé Canada de la diminuer à 100. Bon, ils nous ont presque écouté, mais c'est au moins, on a finalement une norme pour la santé. Donc, ça vaut la peine de faire ce genre d'études-là. Et ça venait vraiment, cette étude-là, elle venait d'un besoin qui avait été exprimé au Nouveau-Brunswick. La santé publique était très intéressée qu'on fasse ces études-là chez nous. Ils nous ont appuyés aussi là, dans nos démarches pour obtenir des fonds de Santé Canada pour la faire. Donc, les constats, quand on parle d'eau potable, c'est que c'est important de s'intéresser aux indicateurs précoces d'altération de la santé si on veut protéger la population. Il ne faut pas juste s'intéresser aux maladies, aux cas de cancer, par exemple. Il faut vraiment être capable de déceler les impacts tôt dans la pyramide de la santé. On veut garder notre population en santé. Pour faire ça, bien, il faut connaître les lignes de base. Il faut savoir c'est quoi les niveaux qu'on a au départ. Ça nous permet, entre autres, de voir quand on commence à avoir des problématiques de contamination. Puis je pense que tout de suite, on vit dans une période intéressante pour certains contaminants où est-ce qu'on n'a pas de normes, où on n'a pas de suivi qui se fait de façon régulière. Donc, par exemple, toutes les PFASA, c'est bon. C'est presque fini. Les PFAS, qui sont des substances antiadhésives, on les trouve dans le téflon, on les trouve dans le Gore-Tex, là, c'est les substances qui répulsent l'eau. Puis on a vu une étude importante sortir au Québec qui montre que ces concentrations-là peuvent être élevées dans l'eau. On a des nouvelles normes de Santé Canada qui viennent tout juste de sortir en 2018 avec des normes qui ont été abaissées en 2021. Les provinces ont besoin maintenant d'embarquer puis commencer à mesurer puis d'établir des normes pour l'eau potable au Nouveau-Brunswick. Même chose pour le glyphosate. Il existe des normes, on ne mesure pas systématiquement ces concentrations-là. Il faut aussi comprendre l'effet de plusieurs substances combinées ensemble sur la santé. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais qu'on commence à faire. Puis les changements climatiques vont certainement avoir un impact sur les contaminants dans l'eau aussi. Donc, ça va impacter la qualité de l'eau puis la quantité d'eau. Donc, ça peut jouer aussi sur les concentrations de contaminants. Donc, c'est important aussi de rester aux aguets face à cette problématique-là qui va nous toucher. Et puis, le dernier point que je voudrais faire, c'est celui de la responsabilité autour des puits privés. Présentement, comme que c'est partout au Canada, si on a un puits privé sur notre propriété, c'est le propriétaire qui en est responsable. Donc, ça veut dire qu'il est responsable de s'assurer que les tests sont faits, puis que l'eau est traitée si elle a besoin d'être traitée. Donc, quand on pense qu'au Nouveau-Brunswick, c'est 40 % de notre population qui dépend de puits privés, que c'est une population qui vit en milieu rural, qui peut avoir des enjeux socio-économiques qui existent pour pouvoir bien traiter les eaux, je pense que c'est aussi une question à laquelle il faudrait s'intéresser. Il pourrait avoir des programmes qui existent, par exemple, pour pouvoir aider les citoyens à s'assurer que l'eau potable qu'ils ont est justement potable. Ça fait que je le laisserai là-dessus et je serai prête à répondre à des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. Je vois qu'il y a une question du chat, Nathalie, qui pose la question. C'est autour du glyphosate pour voir si tu l'as peut-être touché dans ta présentation. Si un dépistage qui se fait, il y a un testage qui se fait de façon régulière autour du glyphosate. La réponse à ça est malheureusement non.
J'ai regardé, puis c'est vraiment pas... En fait, on teste très peu de produits organiques dans nos eaux municipales, malheureusement. On en teste, là, c'est pas vrai qu'on teste rien, mais on fait certainement pas d'études systématiques sur les pesticides. Le glyphosate, pour moi, c'en est un qu'on devrait vérifier. Puis, en fait, on teste les contaminants chimiques là, deux fois par année dans la plupart des municipalités. C'est suffisant, mais il faut juste s'assurer de peut-être agrandir la liste des contaminants qu'on mesure. Mais le glyphosate, on est en retard, on est en retard partout. Hein. Puis ceux qui vivent avec des puits privés, il y a sûrement des tests qui peuvent se faire, ça reste aux propriétaires de les faire. Est-ce que le manganèse est inclus comme un de ces éléments-là qui est testé dans le test de base des métaux? Dans le test de base des métaux, certainement, oui. On ferait le manganèse, on ferait le plomb, l'arsenic, le cuivre. En fait, on fait une série de métaux dans le test de base. Ce qu'on ne fera pas et qui coûte vraiment cher, c'est justement les contaminants organiques. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi qu'on les fait pas. C'est des tests qui sont beaucoup plus dispendieux. Une analyse de métaux, là, typiquement, ça coûte au privé, ça coûte probablement 100 $ pour une analyse, c'est plus que l'analyse de microbactéries, de pathogènes, le E. coli qu'on fait, qui coûte une trentaine de dollars, si je ne me trompe pas, puis qu'on fait une fois par année pour la plupart des propriétaires de maisons qui ont des puits privés. Ça fait que oui, c'est plus cher, mais ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de faire aussi souvent. Moi, je recommanderais certainement de faire une analyse des éléments inorganiques dans son puits quand on achète une maison, par exemple, puis peut-être une fois aux 5 ans, 10 ans, juste pour s'assurer que ça n'a pas trop changé. Surtout s'il y a beaucoup de changements qui se font autour de où on reste. Si tout d'un coup, vous voyez beaucoup de développement, bien, ça veut dire qu'il y a plus de pression sur la nappe phréatique. Donc, ça peut venir changer la qualité de l'eau à ce moment-là et ça peut valoir la peine de faire un suivi. Donc, comme municipalité, par exemple, ce serait peut-être intéressant d'informer ses citoyens s'il y a un nouveau développement, etc. Puis juste à la base de faire ce test-là. D'une façon, oui. Tu viens de répondre à une question de Kelsey ici, super. Puis je pense que ça relève le point que tu as mentionné à ta présentation qu'il y a quand même une certaine stabilité aux éléments métal-organiques. Puis donc, oui. C'est pas nécessaire à tous les années pour ce qui est de ce test-là. Puis on avait fait la même chose pour le manganèse. Dans notre étude de manganèse, on avait suivi quelques-unes de nos maisons pendant 3 ans, 4 ans, puis on pouvait voir que c'était vraiment stable. OK. Peut-être une dernière question. Je crois qu'on a le temps. Jolene qui pose en termes des analyses. Est-ce qu'il y a des analyses? Il y a eu des analyses qui ont découvert des PFAS dans l'eau potable privée ou municipale? Oui. Au Québec, il y a eu une étude, ça se peut? Oui, au Québec, il y a eu une très grosse étude qui est sortie qui a été publiée récemment puis qui est sortie dans les médias au mois de février. Une étude où est-ce qu'ils ont analysé l'eau de, je pense, 200 ou 300 municipalités au Québec, puis qui ont vu que, ils ont fait vraiment comme les PFAS, un groupe de composés, ça fait qu'ils ont analysé plusieurs types de PFAS, puis ils ont vu que dans certaines communautés qui avaient des concentrations qui dépassaient quand même de façon assez importante les normes que Santé Canada vient d'émettre. Puis, bon, il reste à faire beaucoup d'études pour comprendre pourquoi c'est contaminé, ça vient d'où cette contamination-là, puis c'est quoi les impacts sur la santé. On en sait encore très peu. C'est intéressant d'un point de vue de chercheur, là, c'est vraiment intéressant la question des PFAS parce que c'est en explosion tout de suite. La moitié des études sur les PFAS et sur les impacts sur la santé des PFAS ont été publiées depuis 2021. Ça fait qu'on est vraiment comme dans un moment où est-ce que tout est en train de sortir puis on est en train de comprendre assez rapidement les impacts. Et moi, je m'attends qu'il va y avoir, qu'on va avoir des normes et qu'on n'aura pas le choix de suivre ces éléments-là vraiment bientôt, un peu partout. Il y a deux provinces qui ont des normes présentement, c'est la Colombie-Britannique et l'Ontario. Je ne peux pas imaginer que le Québec ne va pas suivre bientôt, puis le Nouveau-Brunswick, bon, on verra. Il y a du monde ici qui peut mieux répondre à la question que moi. D'ailleurs, elle nous a mis un lien vers une des études du Québec, justement.
Oui, merci. Julie, est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Est-ce que je demande d'ouvrir ça? Des gens qui veulent lever la main, poser une autre question dans le chat. Et en attendant, oui, Julie? Moi, j'ai une question. Vas-y. Tu as répondu à mon autre question, Céline, mais j'avais une question par rapport à... ça a peut-être été dit dans la présentation, puis je l'ai juste manqué, là. Mais l'étude est au Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous avez, dans vos prises de données, est-ce que vous avez remarqué des régions où ce que le taux de manganèse était plus élevé que d'autres, comme au niveau du sud-est ou dans la péninsule? Ou... Ben, c'était vraiment... Ouais. Si tu... L'atlas géochimique de, ou l'atlas de chimique des eaux souterraines du Nouveau-Brunswick offre vraiment des données intéressantes. Puis ça, ça vient quand un puits est creusé au Nouveau-Brunswick, le gouvernement fait une analyse d'eau, puis ils ont analysé ces données-là pour pouvoir essayer de faire une carte. Puis ce qu'on voit au Nouveau-Brunswick, c'est les régions où est-ce que les taux de manganèse ont tendance à être le plus élevés. C'est dans le sud-est puis dans le nord-est de la province. Mais ça varie. Ça fait que c'est difficile de voir, ça dépend à quelle profondeur qu'il puits exactement où est-ce que tu es, mais c'est vraiment dans ces régions-là. Nous, quand on a fait notre étude, comme vous avez vu, 50 % de nos enfants étaient très, très peu exposés au manganèse, ce qui est bien, mais on s'attendait à avoir plus de variations que ça, selon ce qu'on avait vu dans l'atlas des eaux souterraines. Ça fait... Mais quand on avait fait les tests pour les gaz de schiste, on avait aussi analysé les manganèses puis toutes sortes d'éléments. Puis là, on avait des maisons qui avaient des concentrations vraiment élevées, donc plus dans le nord du comté de Kent. Ça fait que ça varie. C'est bien. Meilleur conseil, testez votre eau. Puis aussi, comme là, tu parles de l'Est, ça vient me poser une autre question, voir si c'est comme la zone côtière, ça ne serait pas un qui pourrait qui aurait pu influencer que nos taux de manganèse. C'est vraiment une question du type de roche qu'on a. Okay. Ouais. Fait que c'est vraiment très naturel, le manganèse. Ce n'est pas un contaminant comme d'autres. OK. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Mm-hmm. Oui, certainement. Donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Tu n'avais pas vu rien, Serge? Non, pas d'autres mains levées. Okay. OK, c'est beau. Ben, on peut continuer comme ça. Merci beaucoup, Céline. Très intéressant. Merci, Céline. Puis j'en ai appris beaucoup, surtout avec deux petits à la maison. Là. Ça met un petit peu un avertissement là, de vérifier ça. Donc, merci. Donc, la prochaine et dernière présentation, j'aimerais vous présenter Gérard Soumont, qui est ingénieur à la province au département de la gestion des eaux de source et de surface. Donc, il va nous parler un petit peu plus de la maintenance des puits puis l'importance de la vérification de la qualité de l'eau des puits privés. Donc, Gérard, je te cède la parole. Merci beaucoup, Julie. C'est difficile de venir de suivre après Céline, mais elle m'a dressé la table et maintenant, je vais vous parler. Je vais mettre plus d'emphase sur l'importance d'analyser l'eau. Donc, je vous présente une partie du programme des puits d'eau. Pour le compte du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux, et essentiellement les puits d'eau privés. Ces programmes et règlements sont administrés par la direction des environnements en santé. Julie m'a présenté comme étant de source and surface, donc la gestion des eaux de source et de surface. J'y suis jusqu'à la fin de ce mois-ci et à partir du 1er avril, on me switch dans un autre environnement en santé. Donc, l'environnement en santé est responsable de la gestion de la loi sur l'assainissement de l'eau du Nouveau-Brunswick, dans laquelle loi il y a une dizaine de règlements, dont deux sont d'intérêt pour cette présentation, le règlement sur les puits d'eau et le règlement
sur l'eau potable. Comme Céline l'a dit, environ 40% des nouveaux Brunswickois et Brunswickoises, ce qui représente environ 300 000 personnes, je n'inclus pas ceux qui sont nés hier, mais ce n'est pas grave, comptent sur des puits d'eau pour leur eau potable. Et donc, pourquoi tester mon puits ? Est-il important ? Oui. Tester régulièrement l'eau de votre puits vous aidera à vous assurer que vous et votre famille aurez de l'eau potable, c'est-à-dire propre, sûre et fiable. L'eau de puits doit être exempte de micro-organismes comme les bactéries, ce qui peut provoquer des effets néfastes sur la santé. Les contaminants d'eau, on en a parlé, on les connaît, ce sont les eaux de surface. Ce sont les contaminants provenant des fosses septiques défectueuses, de pesticides, d'engrais, de déchets d'animaux, etc., et qui peuvent entrer dans l'approvisionnement en eau, soit directement dans le puits, soit dans les conduites qui sont défectueuses, qui transportent l'eau à la maison. Donc, c'est tout l'approvisionnement en eau potable qui est impacté si jamais autour du puits la maintenance n'est pas correcte. Il y a aussi des contaminants d'origine naturelle comme ceux dont Céline a parlé, donc les sols et le substratum rocheux avec des niveaux naturellement élevés de composés inorganiques, j'ai oublié l'accent là, comme l'arsenic, le fer et le manganèse, peuvent avoir un impact sur l'eau de votre puits. L'eau potable, avec des niveaux élevés de certains composants inorganiques, peut affecter votre eau. Et j'en profite ici pour montrer une... Ça ne faisait pas partie de la présentation, mais puisque Céline en a parlé, nous avons ici une liste de... Je vais bien présenter ça, de paramètres chimiques. Donc, ce sont les paramètres inorganiques et microbiologiques qui sont testés. Pour la plupart, quand on demande une analyse inorganique, ça comprend cette vingtaine de paramètres et quelques... ions ou cations qui sont calculés. Et les paramètres organiques, eux, ne sont pas systématiquement traités, mais on demande que chaque fois qu'il y a une exposition à des produits chimiques ou pétroliers, qu'il faille faire des analyses organiques. Analyse de paramètres organiques. Donc, revenons à la présentation. La fréquence des tests. L'eau de puits va être testée pour les bactéries 2 fois par an. Et chaque fois que je réponds à une plainte de quelqu'un qui a des bactéries dans son eau, je lui demande, est-ce que vous testez votre eau 2 fois par an, de préférence au printemps et à l'automne, quand les aquifères se rechargent? Ah oui, 2 fois par an, non. Pourquoi ? Ben, c'est parce qu'il faut avoir une ligne de base pour laquelle nous sommes sûrs d'avoir une eau au moins exempte de bactéries. Et il faut également tester pour les composés inorganiques, comme les nitrates, fluorures, arsenic, manganèse et autres, tous les 2 ans. Tous les 2 ans, c'est assez large. Mais c'est parce que ce sont des composés qui sont plus ou moins stables. L'évolution est moins rapide que celle d'une contamination bactérienne. Donc, il faut également tester les composés organiques, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. S'il y a eu un incident récent, comme un déversement de pétrole près du puits, ou si la source d'eau a été exposée à des produits chimiques.
collecte des échantillons se fait à partir des kits d'échantillonnage d'eau depuis qui peuvent être obtenus auprès des lieux sélectionnés du service Nouveau-Brunswick. À ce moment, je vais vous présenter alors là, ce sont c'est la liste des lieux sélectionnés du service Nouveau-Brunswick. Et à toute heure ouvrable, on peut prélever des kits d'échantillons, mais les heures et jours de dépôt sont ciblés, sont sélectifs par rapport au SNB considéré. Et donc, il faut bien regarder cette liste-là, parce que chaque échantillon pour des analyses bactériologiques doivent être déposés dans les 24 heures après la prise de l'échantillon. Donc, si vous les prenez, par exemple, je suis là sur Miramichi West, si vous les prenez le vendredi matin et puis vous courez vite, non, c'est ouvert, mais on n'en prend pas parce que ce n'est pas l'heure de dépôt. Donc, il faut vraiment prendre le kit n'importe quand, mais aller le déposer aux heures indiquées. Tous les liens sur ces sites-là, je les ai transmis et vous pourrez y avoir accès. Et donc, les kits peuvent être prélevés au service Nouveau-Brunswick ainsi qu'au bureau de RPC à Fredericton et à Moncton. La différence entre les deux, c'est que si vous déposez par la suite votre échantillon à RPC directement, RPC va vous envoyer par courriel ou par la poste, selon le formulaire que vous avez rempli, directement en vous disant « Ok, tel paramètre dépasse la concentration maximale admissible, celle qui dépasse les objectifs esthétiques sont également mentionnés, et puis c'est tout. Alors que si vous déposez vos analyses au niveau de vos échantillons, au niveau du SNB, en retour, le SNB va voir est-ce qu'il y a des excédents. S'il y a des excédents, c'est envoyé direct au ministère de la Santé qui va vous contacter pour vous dire allô, c'est-à-dire que, voyez-vous, il va vous proposer de faire un traitement, un choc chimique de chlore, et, ou alors de vous prémunir de systèmes de traitement qui puissent réduire à des seuils acceptables. Donc, il y aura un suivi à ce moment-là, et ce suivi, il est très important. Alors, les kits d'échantillonnage pour les bactéries, c'est une petite bouteille en plastique transparent. Pour les inorganiques, c'est une bouteille un peu plus grande. Un formulaire de soumission est à l'intérieur du kit et des instructions pour comment collecter correctement l'échantillon. Je ne vais pas en parler à ce stade. Donc, les résultats d'analyse par RPC de votre échantillon d'eau vous seront envoyés par courriel ou par courrier, dépendamment de ce qu'il y a sur le formulaire. Les formulaires ont tellement changé que je ne me suis pas intéressé d'en voir un. Mais je sais que par courriel, ça se fait. Les informations fournies vous indiqueront quels ont été les résultats et quelles sont les concentrations maximales acceptables pour chaque paramètre testé en vertu des directives provinciales sur la qualité de l'eau potable du ministère de la Santé. Nous avons des directives provinciales et des directives fédérales. Et ces deux directives-là sont consultées simultanément. Et on applique la plus restrictive. En général, celle provinciale
arrive à être plus restrictive que la fédérale, et ce sont ces limites-là qui sont prises pour déterminer le seuil d'acceptabilité de certains résultats. Alors, les puits doivent être désinfectés, c'est-à-dire chlorés ou choqués, au moins une fois par an. Chaque année, il doit y avoir une chloration. Il y en a qui sont contre la chloration parce que ça crée des éléments secondaires. C'est discutable, mais c'est ce que recommande le règlement pour la qualité de l'eau, une fois par an ou après une période de non-utilisation. On ne dit pas quelle est la grandeur de cette période, mais il est clair que quand je pars pour 3 mois, au retour, je dois traiter mon eau. Ou après un événement d'inondation. Pour l'inondation, on y reviendra, mais je peux le dire tout de suite, il faut attendre 10 jours après le retrait de l'eau qui a inondé la tête du puits avant de procéder à une désinfection. La chloration peut donc neutraliser les bactéries nocives, éliminer temporairement les odeurs de sulfure d'hydrogène ou d'œuf pourri, éliminer temporairement, on insiste bien sur temporairement à chaque fois, parce que ça peut revenir, l'excès de fer et de manganèse, et éliminer temporairement les bactéries qui créent une boue. Donc, quand le traitement est bien fait, à ce moment, on peut avoir une période d'accalmie pendant laquelle toutes ces contaminations sont résolues. Des instructions détaillées se trouvent sur le site web du GNB. Je vous les ai transmises, Nadine. Oui. Et ces instructions-là sont dans ce document. Et on ne va pas passer en revue les 11 points, mais je vais rappeler certaines informations clés qui sont importantes. Donc, selon les caractéristiques de la qualité de l'eau de votre puits, il peut être nécessaire de chlorer votre système d'eau de puits plus d'une fois par an. Et quand on le fait plus d'une fois par an, la dose également est recommandée d'être augmentée, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc, la tête de puits doit être exempte de débris. Donc, il ne doit pas y avoir des débris autour. Inspectez périodiquement votre puits et recherchez les détubages de puits, des pompes ou des tuyaux craqués, corrodés ou endommagés, ou un couvercle de puits brisé ou manquant. Le sol doit être incliné, donc on doit avoir des pentes adverses de sol partant de la tête du puits, donc le sol incliné en direction opposée de la tête de puits, de sorte que l'eau de ruissellement ne s'accumule pas autour de la tête de puits. N'utilisez pas de pesticides ou d'engrais à proximité de votre puits. Il faut s'assurer que le couvercle mis en place est correctement ajusté et à l'épreuve de vermine. Donc, un couvercle, en général, il a un tube par lequel passent les tuyaux électriques pour aller alimenter la pompe. Et il y a une ouverture avec un grillage pour permettre à l'air de rentrer, sinon ça créerait de la dépression. Donc, c'est ça qu'on appelle l'épreuve de la vermine. Donc, tout est bien fermé, scellé, mais il faut une ouverture et surtout ne pas oublier de vérifier que le filtre de cette ouverture est bien en place, sinon la vermine peut rentrer dans le puits. Effectuez l'entretien de routine de la fosse septique tous les 2 à 3 ans.
telles que recommandées par le ministère de la Santé, assurez-vous que les tondeuses à gazon et les souffleuses à neige ne présentent pas de fuite de carburant près de votre puits. Se rappeler d'inspecter, tester et désinfecter votre puits. J'ai envoyé des documents qui peuvent être partagés aux participants sur ces trois aspects-là. Des ressources sur tester votre puits, comment le désinfecter, les directives sur les qualités de l'eau potable, autant tant provinciale que fédérale, sont disponibles sur les sites du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux et du ministère de la Santé. Le personnel du RPC est disponible pour répondre à vos questions concernant les résultats des analyses qu'ils vous ont envoyées. Ils vous envoient des résultats en disant juste voilà les paramètres qui sont excédentaires par rapport à la limite. OK, mais ils ne vous donnent rien comme solution. Vous pouvez les appeler pour demander des recommandations ou alors directement appeler le ministère de la Santé. À ce moment, ils vous demanderont de leur envoyer une copie de votre résultat d'analyse. S'il y a des problèmes avec le puits, embauchez des foreurs, s'il vous plaît, qui sont agréés au Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui travaillent très bien, qui le font très bien, mais à partir du moment où ils le font sur une propriété privée, on a très peu de regard dessus, mais mieux vaut prendre ceux qui sont agréés pour des réparations de puits, de construction de nouveaux puits et des conseils sur le traitement. Quand il y a une inondation, c'est l'organisation des mesures d'urgence qui se saisit du sujet. Ils ont sur leur site, que je vais vous montrer, trois cas de figure. L'un des cas, c'est avant la situation d'urgence, durant la situation d'urgence pour le deuxième cas, et le troisième, c'est après une situation d'urgence. Et donc, toutes les dispositions et les contacts sont présentes sur ce site et cela permet de savoir quoi faire pour être bien préparé, où trouver l'information lors des situations d'urgence et où trouver de l'information et de l'aide pour les résidents qui ont été affectés. Ça, c'est l'avant-dernière diapo. Donc, la chloration et l'analyse de l'eau des puits touchés par les inondations est plus sévère, plus stricte, parce que plus problématique. Donc, quand chlorer l'eau après une inondation, c'est 10 jours après le retrait des eaux, pas avant. Ça ne sert à rien de traiter avant. Il faut que les eaux de crue se retirent, compter 10 jours et puis procéder à la chloration. Et il y a une chloration de routine qui doit être faite, on a dit, chaque année, une fois par an au moins, c'est important. La procédure de chloration en cas de contamination bactérienne, c'est deux fois par an. Et les objectifs de la chloration, on en a déjà parlé, ce n'est pas la peine de répéter. Et voilà un rappel des chiffres importants. Deux fois par an, printemps et automne, c'est quoi? Ce sont des analyses bactériennes. C'est la routine, ça doit être fait, ça sert de baseline. Une fois par an, c'est la chloration. J'avais même oublié là. Une fois par an, c'est la chloration.
il faut que ce soit fait une fois par an, au moins. Parfois, un peu plus, c'est quand on est dans des zones qui sont plus impactables. 10 jours, c'est un chiffre qui nous rappelle que quand la tête de puits est inondée, il faut attendre 10 jours après le retrait des eaux de crue pour procéder à une chloration. Pour faire la chloration, il faut 1 litre de javel pour 100 litres d'eau. Donc, il faut connaître la capacité de votre puits. Et dans les guides, vous avez, je peux vous montrer ça. Vous avez des exemples de détermination de capacité. Je vais agrandir ça. En fonction du diamètre de votre puits et de la profondeur du puits. Généralement, ce sont des puits de 6 pouces qui sont réalisés, mais on en trouve parfois de taille inférieure, de diamètre inférieur. Et l'hypochlorite de... Donc, l'eau de javel contenant 3 à 5% d'hypochlorite de sodium doit être utilisée. Une concentration supérieure ne serait pas indiquée parce que les quantités de 1 litre par 100 litres d'eau ont été calculées en tenant compte de ce type. Ou alors, si vous prenez des concentrations supérieures à 5%, il faudrait diminuer le ratio 1 litre par 100 litres. Et une chose qui est vraiment oubliée par certains, c'est l'heure de circulation. Donc, quand on a javelisé le puits, donc toute la quantité est versée dans le puits, avant de commencer les autres étapes, il y a la recirculation, c'est-à-dire qu'on a un robinet extérieur auquel on branche un tuyau d'arrosage et pendant une heure, on lessive les parois du puits, on fait recirculer l'eau pour que le chlore se mélange à l'aquifère. Le chlore se mélange plutôt à toute la colonne d'eau qui existe dans le puits. Et un autre chiffre qui est important, c'est le 8 heures. 8 heures d'attente, c'est après avoir vidé l'eau de tous les points de distribution à l'intérieur de la maison jusqu'à sentir l'odeur du chlore à chacun d'eux, chacun individuellement, un après l'autre, pas tous en même temps, sinon le chlore ne va pas suivre le chemin jusqu'au point de distribution nommé, que ce soit l'eau chaude ou l'eau froide, les toilettes. Tous les points de distribution doivent être flushés. Et à partir de ce moment-là, en temps normal, il faut attendre 8 heures. Mais lorsqu'il y a une contamination de bactéries qui avait été détectée et pour laquelle il faut faire une chloration, donc le minimum serait 24 heures. Ça veut dire qu'avant la chloration, il faudrait avoir prélever une certaine quantité d'eau pour l'utilisation parce que et donc ça c'est juste la période d'attente. Puis maintenant, quand est-ce qu'on va prendre des échantillons? Il faut que au bout de 3 heures ou à 3 jours, attendre que l'odeur de chlore se soit dissipée dans tous les points d'eau ou la majeure partie des points d'eau dans la maison pour se dire, OK, maintenant, c'est le countdown qui commence. Et 7 jours après que la quantité, l'odeur de chlore n'est plus perceptible, 7 jours plus tard, c'est à ce moment qu'il faut prendre l'échantillon, mais il faut le prendre, cet échantillon,
un jour ouvrable et à une heure possible, potentielle, où vous pouvez déposer ça au SNB, parce qu'il faut que ce soit déposé dans les 24 heures. Et chaque deux ans, ce sont les analyses inorganiques qui sont recommandées. Céline recommande plus, et je suis tout à fait d'accord avec elle, mais s'il y a au moins le 40% de la population qui suit toutes ces exigences-là et qui sont effrayées comme je veux les effrayer, à ce moment, le paradis sera peut-être sur Terre. Avez-vous des questions ? Merci beaucoup, Gérard. Bienvenue. Est-ce qu'il y avait eu des questions ? Je veux juste préciser que la traduction en français n'engage que moi, parce que la branche m'avait préparé une présentation en anglais et je l'ai traduite en français. Donc, s'il y a des petites coquilles, c'est moi le responsable, c'est pas ma boss. Et puis, j'en ai rajouté quelques-unes sans l'avis de ma directrice. Je vais peut-être me faire tirer les oreilles, c'est pas grave. Ça valait le coup. Merci bien, Monsieur Souma. Très informatif, un très beau suivi à ce que Céline Sereine nous venait de présenter. Comprenant l'importance de faire les analyses et le pourquoi. C'est des fréquences qui sont plus hautes que moi, je croyais connaître en termes de vous n'êtes pas seul. au niveau de l'inorganique autant que l'organique. Même mes directeurs étaient « Ah bon, il faut ça ?» Je dis « Oui, il faut au moins ça. » Puis là, vous avez mentionné, alors s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les mettre sur le chat, dans le chat. Jolyne qui a une question, je peux le dire pour Jolyne. Alors, au sujet de l'intrusion d'eau salée dans les puits proches des côtes, est-ce qu'il y a des solutions possibles? La réponse courte, c'est non, mais il faut comprendre le processus. Le principe, c'est que quand vous avez un puits proche d'une côte, vous avez la hauteur du niveau d'eau salée. Et donc, à cause de la pression d'eau salée qui est supérieure en densité à l'eau douce, il y a une interface qui fait un biseau entre le rivage et vers l'intérieur des terres. Généralement, les puits prélèvent l'eau au-delà, au-dessus du biseau. Mais à cause des rapports de densité, chaque fois que vous avez un abaissement de 1 mètre de la nappe phréatique de la queue que vous pompez, vous avez l'arrivée du biseau vers le haut de 40 mètres. C'est ça le rapport entre les deux densités. Quand c'est 1,025 et puis 1. Et donc, quand il y a une élévation du niveau d'eau, le front, l'interface, migre vers l'intérieur des terres. Et quand le rétablissement se fait, c'est-à-dire le niveau de la mer descend, il y a forcément un rééquilibre qui se dirige vers, donc l'interface se dirige vers l'extérieur des terres, mais cette migration-là laisse des traces. Et ces traces-là doivent être lessivées par des circulations d'eau douce régulières sans qu'il y ait un autre événement de poussée de l'interface vers l'intérieur des terres. Et donc, ça prend du temps forcément quand il y a une inondation d'un puits parce que le front salé, l'interface eau douce eau salée a touché la partie, on dit le water-bearing fracture zone, la partie qui amène l'eau dans le puits.
Donc, est-ce que la pratique de chlorer, par exemple, devient importante ou intéressante dans ce cas-là? Inutile. Inutile. Puis, il faut vraiment un rééquilibre naturel dû à une recharge importante. Ou alors, il faut faire les traitements. Il y a des systèmes de traitement pour diminuer le sel. Okay. Vous avez l'osmose inverse, les filtres, différentes techniques existent et c'est ce qu'il faut faire en attendant que le front salé soit repoussé vers l'extérieur des terres pour que l'eau soit moins salée. Est-ce qu'il peut avoir intrusion d'eau salée même s'il n'y a pas une inondation autour? Est-ce que ça peut se faire lors d'une onde de tempête, par exemple, qui va affecter justement cet équilibre entre l'eau souterraine salée et non salée? Une autre chose qui peut influencer la migration de l'interface vers l'intérieur, c'est la multiplicité de puits. Quand vous avez un prélèvement qui est démultiplié sur tout le rivage, ce sont des pompages qui se font en même temps et puis la densité de l'eau salée fait que l'interface se pousse vers l'intérieur des terres. Tout dépend de combien chacun pompe. Si vous pompez jusqu'à un rabattement dans votre puits de plus de 1 mètre, soyez sûr que vous avez rapproché d'au moins 40 mètres le front salé. Ce sont des chiffres standards qu'on présente, mais ça dépend de la densité de l'eau salée. Si je peux me permettre, je vais faire un suivi de ce que Céline Surin nous a présenté en termes de nouveau développement, densification, par exemple, d'immeubles. Est-ce que dans ces cas-là, on doit vérifier ou est-ce qu'on va voir justement l'impact de l'intrusion de l'eau salée du fait qu'il y a maintenant plus de puits par acre carré, par exemple? Ce que je recommande, mais je suis assis dans une chaise, il y en a qui sont assis dans des chaises plus hautes, vous comprenez le processus. Mais ce que je recommande, c'est que chaque fois qu'une densité de puits doit être réalisée dans une subdivision et que ça déclenche une étude d'impact environnemental, un pompage est requis et obligatoire, quel que soit le nombre de subdivisions. Si le déclencheur n'est pas l'eau, parce que pour que l'eau soit le déclencheur, il faut qu'il y ait une preuve que c'est plus que 50 mètres cubes par jour qui serait prélevé sur l'ensemble commune de la subdivision. Maintenant, si l'IAE est déclenchée par un autre, par exemple les terres humides ou les cours d'eau ou la côte, alors à ce moment-là, quand le projet arrive, moi je suis un des réviseurs, il faut présenter une étude de l'eau potable. Okay. Et cette étude-là, maintenant, puisqu'elle est déclenchée, moi je suggère, enfin j'ai suggéré que l'on essaie de voir l'opportunité de procéder à un système de distribution communale au lieu de permettre des puits individuels, un système communal par qui il sera géré, comment il sera géré. Ça existe partout. Ça existe beaucoup. Il y a beaucoup de zones qui ont des puits communaux et qui il y a un opérateur qui s'occupe de ça et il y a le coût du service et ça nous permettrait nous d'avoir une plus basse densité de puits parce que ça équivaut également à une quantité de contamination qui peuvent rentrer possiblement dans l'aquifère. Pour chaque puits privé. Absolument. D'accord. OK. Oui, merci. C'est intéressant de voir comment rapidement on peut quand même aller de l'individuel au communautaire quand on pense à la qualité de notre eau. Alors, on avait une question aussi en termes de quelle est la. Je peux lire en anglais, c'était en anglais, c'est ça? Oui, oui.
What is the best and cheapest way to get water tested in New Brunswick? Vous avez donné quelques consignes. Je ne sais pas s'il y a une façon de répondre. Alors, je répondrai en français. La façon la plus économique, je suis en train de chercher mon document là. C'est d'aller au Service Canada, Service Nouveau-Brunswick, pardon, pour pouvoir avoir une. Je suis en train de chercher, je vais vous montrer. OK. Alors, ça, ce sont les coûts actuels. Aujourd'hui, que j'ai demandé à mes collègues. Pour les analyses bactériologiques, c'est-à-dire le E. coli et le total coliform, c'est $50 quand on va à SNB. Et c'est pour l'inorganique, ils ne savaient pas si c'était 120 ou 122, mais ça correspond plus taxe à 138 ou 140. Ça, c'est quand vous déposez vos échantillons à SNB. Quand vous les déposez à RPC, pour une raison que je ne connais pas, c'est plus cher. Et nous, ce que nous recommandons, c'est qu'il faut éviter. Il y a des gens qui font du porte-à-porte là. OK, on peut vous analyser votre eau. Non, il faut que le laboratoire soit un laboratoire accrédité. RPC en fait partie. Ce n'est pas le seul laboratoire accrédité, mais il faut s'assurer de l'accréditation du laboratoire avant de soumettre les échantillons. De toute façon, SNB ne travaille qu'avec RPC. Vous remettez à SNB, ils vont envoyer à RPC. Après, les résultats vont retourner à SNB. Et puis, SNB regarde pour vous et dit, OK, la santé, il faut... Serge a un problème là. Ils peuvent pas vous envoyer. Si c'est clean, s'il n'y a rien du tout, SNB va vous transférer tout ce qu'il a reçu. OK. OK, oui, merci de clarifier ces consignes. Je pense qu'on a encore un petit 5 minutes. Ça se peut-tu, Julie? J'ai une question de Jolene. Puis Jolene, si ça ne te dérange pas, j'inviterai si tu es disponible, de poser ta question. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant, qui vaut la peine de discuter maintenant. Merci, Jolene. Oui, certainement. Merci, Serge. Pour les gens qui habitent dans les zones de puits protégées, donc on a le Protected Wellfield Act, ils identifient des zones comme zone A, zone B, zone C. Et puis, si je peux prendre l'exemple à Shediac, les Protected Wellfield sont en pleine ville, dans des zones résidentielles, des quartiers résidentiels. Je me demande s'il y a des activités que les gens ne devraient pas faire s'ils habitent dans ces zones-là ou s'il y a de l'éducation à faire par rapport à les zones protégées pour essayer de protéger les eaux souterraines, qui est la source d'eau potable pour la municipalité de Shediac. Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus. Merci. Ben, je n'ai pas seulement des idées, j'ai de la pratique. On a le processus. Avant la désignation, c'est de délimiter ces zones-là. Et c'est un consultant qui le fait par modèle numérique, dans lequel il rentre les données qui font partie du bilan hydrologique. Donc, l'apport par les pluies, par les cours d'eau et les prélèvements. Donc, tout ce bilan-là leur permet de voir quelle est l'extension d'une particule d'eau qui arriverait jusqu'à la tête du puits. Donc, ils délimitent d'abord la zone A qui correspond à 250 jours. Ça veut dire que toutes les particules d'eau qui transitent, qui migrent vers la tête du puits, prendraient entre 0 et 250 jours pour y parvenir. Et cette zone A est la zone la plus protégée. Il y a des activités qui sont permises, qui sont listées dans la réglementation des Wellfield Protected
regulation. Et tout ce qui n'est pas permis est interdit. C'est le principe. Alors, quelqu'un qui est là-dedans, il doit regarder tout ce qui est permis et se dire, OK, est-ce que je suis en infraction ou non? En plus de ça, nous avons des WPO, ce sont des officiers régionaux qui font un tour de routine, qui essaient de voir quels sont ceux qui font, qui utilisent des produits chimiques, produits pétroliers, ou qui font des activités agricoles ou des pesticides ou n'importe quoi qui n'est pas permis dans cette zone A. La zone B, c'est 5 ans. Ça veut dire que toute l'eau qui migre vers la tête du puits prend entre 250 jours et 5 ans pour y arriver. Donc, c'est une zone qui est moins restrictive que la zone A, mais qui a quand même des restrictions. Et toutes les restrictions sont listées dans les différents documents qui sont présentés au public. Et la zone C, c'est 25 ans pour le même principe de migration. Et au-delà de cette zone C, on considère que toute migration n'atteindrait pas la tête du puits, mais pourrait l'atteindre, peu importe. C'est le modèle. Un modèle n'est pas fiable à 100%, mais il est indicatif et plus on peut être conservateur, mieux c'est. Je ne parle pas de politique là, pardon. Plus on peut conserver la ressource, mieux c'est. Maintenant, le processus, dès que le consultant a fini de délimiter ces zones, nous, on essaie d'arrondir les angles. OK, cette ligne-là, elle traverse une propriété à plus de 50%, OK, on déforme, on inclut toute la propriété. Ce qui fait que c'est pour ça que si vous voyez des surfaces de zones protégées, parfois vous voyez qu'elles font des angles droits bizarres, qu'elles ne traversent, qu'elles ne sont pas linéaires, alors qu'elles devraient être. Elles étaient linéaires quand le consultant avait conçu. Et on le fait et on dit au consultant, voilà ce que nous voulons, qu'est-ce qu'il en pense. Il arrange son matériel et il fournit la carte. Et cette carte-là fait l'objet de portes ouvertes. Et j'ai personnellement participé à plusieurs portes ouvertes à Miramichi, à Burroughs Road, à beaucoup d'endroits. Et là, on explique aux gens, les gens sont invités d'abord, dans l'invitation qu'ils ont reçue, ils ont reçu le pamphlet protéger votre eau, dans lequel pamphlet il y a la définition de toutes les zones et la liste de tout ce qui est permis. Et ils doivent venir pour discuter avec nous s'ils ont des questions. Et après les journées ouvertes, il y a une présentation au conseil municipal de l'ensemble du projet. Et c'est pourtant le conseil municipal qui est le maître d'ouvrage. Nous, nous ne sommes que des accompagnants parce que c'est le ministre qui désigne, mais il désigne avec une résolution du conseil municipal qui dit « OK, je suis d'accord et puis on va veiller à ce que… » Voilà. Donc, tout le monde devrait être informé parce que la médiatisation est très importante avant la désignation effective. Maintenant, ceux qui ne sont pas informés, ils le seront quand ils voudront acheter la propriété parce que dans Planète, l'avocat va dire « Oh, il y a une restriction là, c'est dans une zone protégée et il y a notre contact. Vous nous contactez, on vous explique en quoi cette zone protégée impacte votre vivant, votre séjour. » Est-ce que ça répond? Merci beaucoup, très intéressant. Je suis très bavard, il faut m'arrêter parfois. Merci, je pense que ça fait le tour des questions qu'on a pour le moment. Merci beaucoup, M. Souva, d'être joint à nous.
C'est un plaisir. Voilà. Merci, okay. Bye. Donc, avant que les participants partent, je voulais juste vous aviser encore une fois qu'on a partagé le feedback form, donc le formulaire pour recevoir vos commentaires. Donc, vous avez juste besoin de cliquer là-dessus, puis s'il vous plaît, nous envoyer vos commentaires. J'aimerais de remercier encore une fois à tous nos présentateurs. Donc, vraiment la bonne information partagée, j'en ai appris beaucoup. Puis j'espère que ça va nous permettre de développer des partenariats ou des collaborations pour des projets futurs. Encore une fois, j'aimerais de remercier nos interprètes, Laura et Ronald, pour le beau travail. Merci à tous nos partenaires que vous voyez sur l'écran. Le Fonds en fiducie pour l'environnement, environnement et changement climatique, pour les fonds qui ont permis à présenter cet atelier ici. Donc, merci à tout le monde, aux participants d'aujourd'hui, à vous joindre à nous. Puis, c'est comme j'ai mentionné au début de l'atelier, donc on va avoir l'enregistrement disponible bientôt. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et merci beaucoup pour votre participation.